Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog sur cette magnifique et merveilleuse chaîne YouTube. Je vous le rappelle, 40 000 abonnés, je me rase la tête, toi, direct. D'entrée de jeu, dès le début de la vidéo, le mec il annonce le truc quoi. Bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce mercredi 10 juin, normalement c'est ça. Ouais, 10 juin, il est actuellement 9h du matin. Encore une fois, je n'ai pas introduit le vlog dès mon réveil. Écoutez, qu'on se le dise, le réveil a été rude. Pourtant, je me suis endormi vers 23h et réveillé à 7h. Donc ça veut dire que j'ai dormi 8h. Cependant, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. Bizarre. Bref, le réveil a été assez compliqué, enfin assez dur. J'ai eu du mal à ouvrir mes petits yeux. Voilà, donc j'ai ouvert mes petits yeux. Je suis allé directement sur l'ordinateur pour monter le vlog d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, je le monte dès le réveil à 7h du matin. Donc c'est bon, il est monté, il est rendu, il est en cours d'envoi sur YouTube. Il sera envoyé, enfin, il sera mis en ligne d'ici 1h30, 2h à peu près. Donc avant 11h cette fois-ci. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et ensuite, en fait, après avoir monté ma vidéo, il était je crois 8h15, quelque chose comme ça, je suis allé me recoucher dans le lit, me rallonger genre une petite demi-heure, le temps du rendu en fait, j'ai rendu de la vidéo qui devait tourner. Et je me suis recouché une petite demi-heure, je me sentais pas bien. J'avais des petits vertiges et tout, je me suis dit bah qu'est-ce qui se passe, la fatigue, des vertiges. C'est très bizarre, hein. D'habitude, moi une fois que je suis levé, j'étais bon, je suis d'appoint. Mais là non, étrangement, j'étais pas très très bien. Du coup, je me suis recouché une petite demi-heure, et puis là, je me suis relevé d'ici, depuis 15 minutes environ, depuis 8h45, j'avais remis mon réveil, en fait, pour être sûr de me réveiller et tout. Et voilà, donc là, je suis un peu plus frais, cette demi-heure m'a fait du bien, c'était une mini-sieste d'une demi-heure, alors que je venais de me lever, mais ça m'a fait beaucoup de bien, parce que là, je me sens un tout petit peu plus frais que ce que j'étais au début de la journée à 7h du mat'. Voilà. Voilà, tout ça pour ça. Au programme aujourd'hui, donc du travail jusqu'à 15h. Cet après-midi, on doit aller voir un ami de Laura, la personne qui nous a fait le meuble à chaussures d'ailleurs. On doit y aller cet après-midi pour lui faire un coucou, une fois que Laura sera rentrée du coup du taf. Ce qui veut dire que je dois faire mon taf du coup avant 15h. Et au niveau des livraisons, parce que c'est ce qu'il y a, cette semaine, il y a beaucoup de livraisons. Je vous dis, il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Je vais recevoir pas mal de trucs de déco que j'avais acheté pour la chambre des filles, une chaise, des trucs comme ça et tout. Mais il y a aussi le Saint Calculateur qui doit arriver peut-être aujourd'hui, mais sûrement demain. Aujourd'hui peut-être, mais demain c'est sûr. Et aussi mon ordinateur portable que j'ai commandé depuis samedi dernier et qui bizarrement en fait n'a pas été... Enfin je sais pas ce qui s'est passé avec le PC portable parce que j'ai commandé le PC et le téléphone de Laura en même temps. Le téléphone de Laura est arrivé hier et au niveau du PC portable, le suivi m'indique qu'il est toujours à l'entrepôt de l'expéditeur, qu'il est toujours pas envoyé. Enfin, eux ils m'ont dit qu'il était expédié, mais dans le suivi Chronopost c'est marqué qu'il est toujours en attente de récupération en fait chez l'expéditeur. Le problème c'est que j'ai payé pour avoir une livraison en Chronopost. J'ai payé pas mal d'argent pour qu'il soit livré en Chronopost et pas en Colissimo normal une semaine. Et j'attends toujours. Donc j'ai envoyé un mail hier au site internet pour leur dire comment ça se fait que le suivi est pas à jour, qu'est-ce qui se passe. J'ai bien reçu l'autre mais j'ai pas reçu celui-là. Ils m'ont répondu un email type en me disant ouais mais c'est normal, vous savez les suivis sont peut-être pas forcément à jour, les colis sont envoyés tous en même temps mais des fois il peut y avoir un retard d'une journée et tout ça. Enfin voilà, ils m'ont fait leur blabla pour me rassurer. Peut-être que je recevrai aujourd'hui, je sais pas. Le truc qui est chiant c'est que normalement avec Chronopost t'es censé recevoir un SMS. Moi pour le téléphone de Laura j'ai reçu un SMS m'avertissait de la livraison. Et là, du coup, vu que le suivi ne marche pas, enfin, le suivi est keblo à l'expéditeur, et du coup, j'ai pas de suivi, j'ai rien du tout. De toute façon, je vais le recevoir aujourd'hui, je sais pas, mais ça serait bien que je le reçois avant vendredi, parce que vendredi, il y a le live cuisine et j'ai besoin de cet ordinateur pour faire le live cuisine. C'est un petit peu embêtant. Bref, voilà au niveau du programme. Là, je vais retourner sur l'ordinateur, répondre à plusieurs mails que j'ai reçus hier en fin d'après-midi, et préparer la vidéo pour la mise en ligne sur YouTube, mettre les tags, description, l'image, la miniature, enfin tout ça. Vous avez vu là, c'est la sonnette, c'est une sonnette portative qui avait été installée par la propriétaire. Je l'ai prise à côté de moi, je l'ai prise avec moi pour être sûr. Et en plus de ça, j'ai la fenêtre ici qui est ouverte pour entendre s'il y a un camion ou pas. Parce que bon, je dois quand même travailler. Mais j'aimerais entendre si un saint camion vient livrer quelque chose, n'est-ce pas? Donc j'attends. Non mais je me mets tous les moyens de mon côté pour être sûr de pouvoir capter une sainte livraison, n'est-ce pas? Hop, là j'ai le diffuseur d'huile essentielle qui a tourné hier, mais il a tourné... Ah, j'avais mis une heure, c'est pour ça qu'il s'est éteint en pleine nuit. Oh là là. Je me suis dit, merde, il tourne pas le truc. J'ai commandé des huiles essentielles à la lavande, c'est pour la détente. Le déstressage. Déstressage. Bref, là je suis sur l'ordinateur, j'ai tout préparé pour la mise en ligne de la vidéo. Il est 9h15, j'ai fait le texte, la miniature et tout ça. Tout ça c'est fait, c'est bon. Et je vais aussi procéder au tournage
de ma vidéo. Tout le monde a répondu pour le Ghost Hunt, c'est bon. Donc ça sera barbecue pour le Ghost Hunt. Et au niveau repas, nous avons 3 brownies au chocolat blanc, une mousse au chocolat caramel et 3 crèmes brûlées à la vanille. Donc voilà, je sais ce que je dois préparer et tout, c'est sympa, j'ai hâte d'y être. Je vais aussi faire une petite promo de Ghost Hunt sur les réseaux sociaux aujourd'hui, un petit trailer, un petit truc comme ça pour booster un petit peu les ventes. Ça marche bien, donc je continue de le faire, n'est-ce pas? Il faut aussi que je tire au sort le gagnant pour le K2. J'ai fait gagner un détecteur de champ électromagnétique K2 sur Ghost Hunt. Il faut que je fasse ce tirage au sort et puis que j'envoie le petit lot à la personne pardon, à la personne concernée. Donc voilà, là je suis bon. Je vais me préparer pour tourner ma vidéo facecam, n'est-ce pas? Faut que je me mette le retour vidéo là, que je le cale ici pour... hop, il est comment il se met pas? Voilà, hop, le retour vidéo il est configuré. C'est tout bon, faudrait que je mette le switch HDMI là-dessus, comme ça j'ai juste appuyé, clac, et puis en fait ça switch, bref, moi je vois ce que je veux dire quoi. Du coup c'est bon, le switch vidéo il est mis. Je vais tourner ma petite facecam, la monter, la rendre, et puis après je l'enverrai sur YouTube avant le live, j'espère, comme ça la vidéo sera en ligne en fin d'après-midi comme hier, de toute façon, voilà, comme c'était prévu. Au niveau du suivi, bah, comme je vous ai dit, hein, colis prêt chez expéditeur. Il n'a pas été encore récupéré par Chrono, ils me disent, pour le PC. Le problème, c'est que si j'ai pas le PC avant vendredi, je ne peux pas faire le live cuisine, et ça me bloque beaucoup, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Et puis j'ai payé pour ça, pour l'avoir le plus rapidement possible, quand même. Bref. Je verrai de toute façon. Là, ce que je vais faire, je vais tourner la facecam. Là, il est 9h18. Je vais tourner tout de suite la facecam, comme ça c'est fait. Mettre la petite casquette, comme ça c'est fait. Voilà. Et c'est parti. On y va. Facecam est monté, c'est bon, allez, tourner, monter en cours de rendu. Et je l'enverrai du coup sur YouTube avant le live. Je pense que cette fois-ci, contrairement à hier, bah hier j'ai perdu une demi-heure. Enfin j'avais perdu, j'ai passé une demi-heure au téléphone, du coup ça m'avait fait gratter une demi-heure. Mais là je pense que ça devrait jouer. Juste un petit coup de stress avant. J'étais en train de monter la vidéo. J'ai mal à la hanche. Ah, j'ai mal à la jambe gauche. J'étais en train de monter la vidéo et là j'entends une porte de camion se fermer. Je me dis. Ça a pas sonné, tu sais, je cours et tout, et en fait non, c'était des réclames. C'était un mec qui distribuait des publicités dans la boîte aux lettres. Bah il avait un camion, une camionnette, mais c'était pour des publicités, donc voilà. J'ai cru que c'était pour moi, j'ai cru que c'était Chronopost, mais fait, non. Mais de toute façon, Chronopost, il passe pas à cette heure-ci, hein. Normalement, il passerait vers aux alentours de 11h, Chronopost. Moi, il m'avait dit, le copain de mon père, parce qu'il est aussi livré souvent par Chronopost, il habite pas loin. Il a dit, oh, tu sais, Chronopost, c'est plus vers 11h, hein. c'est pas le matin aussitôt. Bref, en tout cas la vidéo est montée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ranger la cuisine. Je vais aller voir les machines parce que j'en ai lancé du coup hier soir pour étendre le linge et tout, ranger un petit peu le salon aussi, la salle de bain et tout ça. Le temps que la vidéo rentre, de toute façon pendant le rendu, je peux pas faire grand chose. Le PC il est assez pris. Et souvent quand tu démarres des logiciels pendant le rendu, ça fait planter le truc, donc c'est pas trop l'intérêt. Est-ce qu'il y a encore du café? Oh oui, on en a suffisamment là. Sans problème. Ça va faire. Hop, et oui, donc je vais faire un petit coup de rangement. Là j'ai poubelle à vider et tout. Et puis comme ça on sera bon. Je vais appeler ma mère aussi en même temps pour lui dire coucou. Et puis elle va me dire, elle est en ligne la vidéo? Je vais dire, bah non, pas encore, il faut attendre, elle va être en ligne bientôt, attention. Bref, ouais, j'ai mal aux jambes là. J'ai des douleurs dans les jambes. Comme si elles étaient fatiguées. C'est chiant. C'est quand même super dérangeant, hein. Des cheveux comme ça. Attendez. Vous savez. Oh, ça va être l'image du vlog. Ah, c'est trop dérangeant. Moi, j'aime pas les faux cheveux ou les cheveux comme ça. Ça me... Bref, il est actuellement 11h02 et je viens de mettre en ligne le vlog YouTube. Donc, ouais, une demi-heure d'avance sur hier. Bon, après, le vlog était un peu moins long, 10 minutes de moins. Celui d'hier faisait 42, celui de 32, un truc comme ça. Un truc dans le genre. Non, je sais plus. Attends. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis des petites bêtises, peut-être. Hop. Celui d'hier, il faisait... Celui d'aujourd'hui, il fait 35 minutes. Et celui d'hier, il faisait 45 minutes. Donc 10 minutes de moins, tout de même. Bref, il est en ligne. Je suis joie.
ma facecam est en train d'envoyer sur YouTube. Très bien, elle mettra 40 minutes à peu près. Du coup, elle sera envoyée avant le live, mais elle sera pas mise en ligne avant la fin d'après-midi, comme j'ai dit. Je veux pas mettre le vlog et la facecam en fait l'un derrière l'autre et tout. Je préfère laisser un petit peu de temps. J'ai aussi répondu à beaucoup de mails, des mails de collab et tout, je suis content. Comme j'ai dit, les collabs reviennent et tout avec la fin du confinement, c'est bien. Donc ouais, j'ai répondu à pas mal de mails. Pour l'instant, pas de news de livreur ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a rien du tout à ce niveau-là. Gordon, do you want to go outside? Yes, you want. Go outside, please. Pas de nouvelles de livreur ou quoi que ce soit. J'ai toujours la sonnette à côté de moi et tout. On verra, ça se trouve, il n'y aura même pas de livraison aujourd'hui, il n'y aura rien, tu sais. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, moi, il me faut mon PC portable. Si je le reçois vendredi, ça va être ric-rac hein, pour préparer le live, hein, parce que le live commence à 11h30. Si je reçois le PC à 11h, ça va pas le faire. Hein. Si j'ai tous les logiciels installés du coup sur le PC, donc... je regarde. Les facteurs, il aurait pu déposer aussi. Hein. Un petit colissimo ou autre, je sais pas. Ah, je suis un petit peu embêtaillé là quand même hein, pour ces livraisons. Bon, le calculateur, normalement, c'est demain. Mais le PC portable, moi, ça m'inquiète le suivi là. Ça m'inquiète beaucoup que ça soit marqué qu'il n'est pas récupéré. Même si le site internet il dit, mais si. Ouais, ça m'inquiète un petit peu. Là, les premiers commentaires du vlog commencent à arriver. Ça va. Oui, ça commence à arriver. Bref, là de toute façon, comme j'ai dit, il est 11h. Je vais me préparer un petit quelque chose à manger. Je vais manger dès 11h30. En fait, comme ça, j'ai pas besoin de courir après pour manger pendant le live et tout. Comme j'ai fait hier, j'étais à deux doigts du coup de faire le live quand je mangeais. Je vais me préparer un petit truc à bouffer, je sais pas, des pâtes ou un truc comme ça. Un truc tranquille. Et puis après, je retournerai sur l'ordinateur pour continuer de bosser. J'ai de la comptabilité, j'ai des courriers à faire aussi. J'ai pas mal de courriers à faire et tout. Bon, écoutez. Il est actuellement 12h10. Je suis à la cuisine pour me faire. Vite fait, je me fais des pâtes vite fait avec un steak. Je me dépêche un petit peu. J'ai live dans 50 minutes. Ça va, 50 minutes, ça me laisse le temps de cuisiner et de bouffer. Mais toujours pas de chronopost. Toujours rien du tout. Pas de suivi. Je ne sais pas. Enfin, pas de suivi. En gros, le suivi n'a pas bougé. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas où. Je ne sais pas quoi. Je l'ignore. Je suis dans le flou le plus total. Et le problème, c'est que là, vous êtes en train de me demander les ingrédients pour le live cuisine de vendredi. Le problème, c'est que j'ai pas de PC, il n'y a pas de live, quoi. Donc, j'ai pas envie de vous faire acheter des ingrédients pour préparer un truc qu'on pourra même pas faire ensemble. Donc, ouais, là, je suis grave emmerdé, en fait. Grave emmerdé, je sais pas comment je vais m'organiser. Je vais pas descendre le gros PC ici et tout, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire. Écoutez, je verrai en fonction de la journée comment ça se passe, parce que là, Chronopost, je sais qu'il peut passer entre midi et 13h. Ça arrive souvent qu'il passe entre midi et 13h. Je vais voir un petit peu. Si d'ici là il y a quelque chose, puis j'aviserai. Je suis embêté, je suis clairement embêté parce que soit je vous donne les ingrédients que vous achetez, mais on peut pas le faire le live ensemble, j'ai pas le PC et la carotte. Soit je vous donne pas les ingrédients, je vous le donne à la dernière minute si je reçois demain, mais dans ce cas-là on est carotte quoi, en gros. Ah là 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 là. Je peux vous donner quand même les ingrédients, je sais pas trop. Tu vois, je sais pas trop quoi faire. Je suis perdu. Ah c'est chiant. C'est grave chiant là. Bon, le live est terminé, je viens de le terminer, il a duré 1h20. On a regardé Super Nanny, c'était très bien. C'est un bon petit moment. Et là du coup, je viens de ranger le fond vert tranquillement. J'ai reçu, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai reçu un appel juste avant le live de la communauté de communes qui me disait qu'ils allaient me déposer la nouvelle poubelle. On n'a qu'une seule petite poubelle pour tout le monde, donc c'était un peu limité, enfin pour tout le monde, pour la famille. Et là du coup, ils m'ont appelé en disant, oh, on vient venir vous déposer la deuxième poubelle. Donc ils ont pas de grande poubelle, mais ils ont des petites poubelles. Donc on se retrouve maintenant avec deux petites poubelles, donc c'est très bien. On permettra de gérer au niveau du flux de déchets, n'est-ce pas? Parce que là c'était assez compliqué, genre ça se remplit très vite une petite, surtout qu'on est 7 à la maison une semaine sur deux. C'est un peu balèze, donc ils m'ont déposé ça en plein live. Et aucune nouvelle de Chronopost, rien du tout. Mon suivi de mon PC portable n'a toujours pas bougé, c'est toujours marqué qu'il est encore chez l'expéditeur. J'ai pas de suivi, j'ai rien, j'ai aucune visibilité sur ce qui va se passer, ce qui va être livré. C'est très très handicapant. Vis-à-vis du live que je dois faire vendredi, c'est très très chiant. Du coup, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. Aucune idée, je vais peut-être décaler le live. Possible que je les décale la semaine prochaine. Non, merde, ça décalerait dans deux semaines. Ou à samedi à la limite.
Le problème, c'est qu'en fait, j'ai aucune certitude que le PC sera livré cette semaine. S'ils l'ont paumé ou quoi que ce soit, je suis une carotte, quoi. Donc, je peux même pas vous dire, oh, bah, on met ça à samedi parce que ça sera livré vendredi. Ça se trouve, ça sera même pas livré vendredi. C'est ça le problème. J'ai pas de visibilité vis-à-vis de ça. Bon, bref. J'y réfléchirai et je suis toujours pas bien. Je vous ai dit ce matin que je m'étais rallongé un petit demain parce que j'avais des vertiges. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai monté ma vidéo et après le montage de vidéo, j'avais des vertiges et tout. J'étais pas bien, du coup, je me suis rallongé une petite demi-heure le temps du rendu. Et là, du coup, bah, plus la journée passe et plus j'ai très très mal un peu partout. J'ai des grosses courbatures, comme si j'avais fait genre 3 heures de sport hier, je comprends pas. J'ai mal là, tout le derrière en fait, tout le dos, les trapèzes, les épaules. J'ai des courbatures aux jambes et tout. Un peu comme t'as un état grippal, tu sais, t'as des courbatures, bah là c'est pareil. J'ai pas la grippe, j'ai rien du tout. Hein. Mais du coup, je me sens un petit peu comme... Je me sens un peu faible et courbaturé. Attendez, je regarde si la batterie de la cam a chargé. Ouais, elle est chargée à fond. Voilà. Petite batterie qui est chargée. Je suis en train de recharger toutes les batteries de cette caméra, du coup. Bref, ouais, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Pas mal de courbatures et tout. Ma vidéo est prête à être mise en ligne sur YouTube. Je la mettrai en ligne tout à l'heure. Donc, elle est prête. Et là, je vais aller jeter, du coup, les poubelles qui attendaient dans la nouvelle poubelle. Comme ça, moi, comme ça, les poubelles d'en bas seront vidées. Voilà. J'ai oublié mes écouteurs. Oh non, tristesse. Bon, je vais retourner en bas. Laura est rentrée depuis avant. Devant la télé, se repose un petit peu et tout, et là je vais procéder au rangement du grenier. Je vais aller dans le grenier ranger un petit peu avec les boîtes qui me restent là. J'ai pas mal de boîtes vides et tout, des câbles et tout, donc je vais en profiter pour aller ranger ce que j'ai dans le grenier. Ça fera un bon tri, ça fera du bien. Je vais vous prendre avec moi, mais je vais aussi prendre mes écouteurs pour écouter les reportages en même temps. Ça me passe un peu le temps. Donc là, je vais retourner en bas chercher ça, je vais reposer la sonnette. De toute façon, je pense que Chronicles ne passera plus maintenant, c'est fini. Voilà. Écoutez, les courbatures sont de plus en plus dures. C'est dur là. J'ai l'impression d'avoir fait du sport pendant 2 jours. En plus, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi déjà. Genre, je suis vachement fatigué. Alors que pourtant, j'ai très bien dormi. À 23h, 7h du mat, c'est très bien. Mais ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Et j'ai des courbatures partout. C'est infernal. Oh là là. C'est costaud. Donc là, je vais procéder à du rangement ici, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a bien besoin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, j'avais déjà trié des trucs et tout. Bon, il n'y a pas d'étagère. J'ai pas d'étagère ici. Mais je regarde si je peux pas fabriquer quelque chose. Est-ce qu'il y a des planches? Non. Non, je peux pas fabriquer un truc. Mais bon, je vais réorganiser un petit peu tout ça, ranger un petit peu mieux. Et surtout, j'ai plein de sacs à trier. Je suis sûr que je vais retrouver des câbles dedans en me disant « Oh, c'était là !» Allez, c'est parti. Bon écoutez, j'étais en train de ranger tout ça et j'ai une plutôt bonne nouvelle. Je viens de recevoir un email de Chronopost qui me dit que l'ordinateur sera livré demain. Entre 8h et 13h. C'est large, mais il est livré demain. Je dois vous avouer que je suis très rassuré parce que j'avais extrêmement peur qu'il soit perdu ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, c'est bon. Je peux vous proposer du coup le live vendredi matin à 11h30 sur Twitch, c'est gratuit. Vous pourrez venir cuisiner avec moi, je vous mets la liste des. Oula, je vous mets la liste des ingrédients ici. Je vous laisse le temps de les copier et tout ça. Ça sera pour 4 personnes, c'est un risotto d'une recette que j'avais récupérée d'une grand-mère et tout ça. Enfin d'une grand-mère. J'avais récupéré sur un forum de recettes de grand-mère. Et je l'ai fait depuis très longtemps. Les enfants ils kiffent. Ils adorent et tout. Franchement, c'est une valeur sûre. Donc n'hésitez pas à aller faire vos petites courses pour faire la cuisine avec moi vendredi à 11h30 sur Twitch. C'est gratuit, c'est super, autant en profiter. J'espère que ce concept vous plaira.
Pardon, je suis dans le grenier, il y a un peu de poussière. Du coup, j'ai tout de suite profité d'aller publier en story Instagram la liste des ingrédients aussi. Donc, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas informé. J'ai mis sur Instagram, sur YouTube et tout. Hein. Donc, rendez-vous vendredi pour ce live cuisine. Ah, je voulais me poser dehors pour prendre un peu l'air, là. Tu sais que ça ferait du bien en courbature. Un truc est mouillé. Un truc est trempé. Tu vas aller voir le poulailler, il faudra que je nettoie. Ah bon, bah la porte est arrachée. La grosse porte carrément. Oh la vache, ça lâche pas l'affaire ces charognes. Oh, la porte elle est déboîtée. Ah ouais, elle est carrément déboîtée la porte. Je sais pas comment il a fait. Hein. Oh la vache. Il a carrément déboîté la porte. De toute façon, faut que je m'en occupe, faut que je nettoie tout ça. Oh, putain, j'ai froid. Lâche pas l'affaire. Insiste. Hein. Ouais. Et ben, sacrée histoire. Je vais enlever tout le grillage et je vais garder juste ça, je pense. Je vais garder ça pour mettre genre la tondeuse et trucs comme ça. Et puis je vais garder. Par contre, poulailler non, mais l'enclos, je vais garder. Putain. Ah, bon, après cette bonne nouvelle de recevoir l'ordinateur, il reste plus que le calculateur. Le calculateur, c'était aujourd'hui ou demain ou plus tard. Donc, de toute façon, on sait que c'est demain. Donc, j'ai hâte de recevoir ça demain. J'ai déjà prévenu le copain de mon père en lui disant que je le recevais demain, du coup, pour le reconnecter sur le Q7 et puis bah essayer de démarrer, ma foi. Ça va être le grand mystère. Est-ce que ça roule, est-ce que ça roule pas? J'espère que tout se résolve là. Que les choses rentrent dans l'ordre. Déjà, j'arrive à faire mon travail correctement de 7h à 15h. J'arrive à ne pas prendre de retard. Maintenant, il faut que j'arrive à rattraper le retard que j'ai pris. Et ça, pour l'instant, j'ai pas encore réussi. J'ai pas réussi à rattraper le retard parce que le travail que je fais toujours, c'est vrai que je dois faire. Mais on va y arriver. Écoutez, les 16h47, il pleut un petit peu moins, mais tout de même. Et là, du coup, on va aller vite fait au magasin. Enfin, vite fait, on va aller au magasin avec Laura. J'ai rangé un petit peu le grenier partout, mais j'ai rangé un petit peu et tout. J'ai répondu une fois à des mails et tout aujourd'hui, enfin, depuis quelques jours, à pas mal de mails. Et on devait normalement aller chez un ami de Laura, mais finalement, on n'y va pas parce qu'il est pas très bien. Il a été il était soigné pour un cancer et tout ça. Il y a des hauts et des bas, et là, il va pas très bien. Du coup, bah, on n'ira pas aujourd'hui. Mais on a un autre ami de Laura qui vient prendre l'apéro ici, c'est la personne qui était venue avec ses enfants et tout. Et du coup il vient ce soir prendre l'apéro, donc on va l'acheter 2-3 petites choses tranquilles et tout pour passer un bon moment. Ça va être sympa, peut-être qu'il va rester manger ici, je ne sais pas du tout. Moi ça me dérange pas, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas il pleut, la voisine qui me regarde. Mais en tout cas il pleut beaucoup, hein, il pleut bergère entre très blancs moutons, n'est-ce pas? Bon écoutez, nous sommes rentrés. La pluie s'est un petit peu calmée, ça va. On a pris quoi faire, une fondue bourguignonne ce soir et un petit apéritif tranquillou. Je prépare déjà, moi j'aime bien préparer les apéros. Je prépare déjà. Hop. Toujours des couvertures et tout, et je tousse beaucoup aussi. J'allais dans le grenier avant, je pense la poussière, ça n'a pas dû arranger les choses. Bref, je prépare tout ça, comme ça c'est fait. Et puis après, on ira vaquer à d'autres occupations. Bon écoutez, 23h30, notre invité est parti, et là on va aller se coucher, on est très fatigué, bon il y a tout du bazar et tout, on va tout ranger demain, tranquille. Juste débrancher ça, voilà, hop, là c'est doudou là. Ah bon, demain, grande journée qui m'attend, n'est-ce pas? Demain on voit une amie à Laura, de Laura, ouais c'est moi, demain on voit une amie de Laura. Et bah du coup, je sais que je reçois le PC, c'est sûr et certain. Et normalement, le calculateur aussi, c'est sûr et certain que je le reçois demain. Moi, il m'avait dit que son porteur avait dit c'était hier, enfin aujourd'hui ou demain. Grand maximum. Donc demain, ça devrait être livré, c'est bon. J'ai écrit au copain de mon père, il m'a pas encore répondu. J'ai dit ah, au cas où, pour demain, c'est bon, j'aurai le calculateur, mais il m'a pas répondu encore. Donc, le truc, c'est que je peux pas le brancher moi tout seul. Parce que c'est assez compliqué à brancher, c'est pas simple, si tu veux.
du coup ouais, je viens d'allumer le humidificateur. Pas tout simple à brancher, c'est très fragile un calculateur. Enfin en tout cas les broches sont fragiles, si tu les pètes là t'es dans la merde, c'est le faisceau qui prend. Donc voilà, vaut mieux que ce soit lui qui le branche, et de toute façon c'est lui qui a ma batterie. Donc j'espère que si je le reçois demain, il sera dispo rapidement pour venir me tester ça. Puis on verra bien si la voiture démarre, hein. De toute façon c'est le grand mystère, n'est-ce pas? Oui, il aura une belle collection Disney. Elle les avait laissées dans un bac parce que chez elle, elle avait pas eu la place pour les ranger. Puis elle m'a dit, oh, regarde, j'ai du tout que les mettre là, moi je m'en fous. Hein. Ça me dérange pas. Elle a ses souvenirs d'enfance, moi j'ai les miens aussi. J'adore la guitare au mur, c'était une trop bonne idée. La fixation est sur mon site adrien-youtube.fr si vous voulez. Faut que je fasse l'acquisition d'une basse aussi. Et la basse, je la mettrai, je sais pas où je la mettrai la basse pour le coup. Parce que je vais pas démonter la fixe pour la mettre sur le côté et mettre une basse à côté, non. Ça représente un peu mon univers, mon enfance et tout ça, mon adolescence de jeune délinquant juvénile, n'est-ce pas? J'espérais avoir des retours de mail aujourd'hui, mais j'ai pas eu de réponse de tout ce que je voulais. Je suis un peu tristesse. Bon, ça viendra, ce sera pour demain. Les statistiques de mes vidéos d'aujourd'hui sont bonnes. Vous m'avez donné beaucoup d'amour dans ma vidéo sur mon parcours, sur comment je suis arrivé sur YouTube. Ça me fait trop plaisir, ça fait du bien, clairement. Particularité de tes vidéos, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène de la vraie vie. Merci. On verra. Quoi? Mais t'es belle. Quoi? C'est mon droit à l'image. Oui, c'est vrai. Je couperai toutes les scènes où tu es et on entend ta voix. Non. Je ferai en sorte qu'on pense que tu n'existes pas. Tout de suite, l'exagération. Bah, bien évidemment. Bon, j'ose plus parler vu que Laura est là. Je vais vous dire au revoir. Bon. On va clôturer cette vidéo, n'est-ce pas? Je vais essayer de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, on croise les doigts pour demain. Hein, chérie, on croise les doigts pour demain. Oui. C'est con comme plan, comme tout clôturer. Écoutez, je pense qu'on va partir dans un blabla. De quoi on pourrait parler que demain, du coup, il y a le calculateur qui arrive? Peut-être? Normalement? Sûrement? Le PC portable. Il y a aussi plein de... Ouais, il y a plein de livraisons demain. Hein? Bref. T'es fatigué, hein, ça se voit. T'es chiante. Toi, t'es chiant. Mais moi, je suis tout le temps chiant. Moi, j'ai pas besoin d'être fatigué. Elle fait des conneries derrière. Ouais, on peut carrément te voir dehors. Hein. C'est bon, elle est partie. On peut discuter. Oh quoi? Oh quoi? J'ai mis mon réveil.